Bonjour tout le monde. Alors, le diabète, c'est une maladie qui fait ravage mondialement. À l'heure qui m'occupe vous avec là actuellement, nous avons plus nombre de morts avec diabète qu'avec Covid. Et à Maurice, nous pas loin. Dans chaque famille mauricienne, nous avons besoin d'un proche qui peut souffrir du diabète. Alors, si nous ne pas faire attention, demain, il est capable moi ou il est capable où? Comment faire maintenant pour prendre soin? C'est simple. Nous allons vous comprendre c'est quoi le diabète et comment ajuster nos modes de vie, nos alimentations pour qu'ils nous facilitent les choses. Quand tu cause diabète, c'est une maladie que tu as un excès de sucre dans du sang. Et là, au ban organe, le pancréas plus précisément, il peut avoir une difficulté pour ramasser sa mandicite en plus là dans du sang. Alors, où vous besoin de faire telle sorte qu'il mange telle façon pour qu'il soit capable supporte l'activité de sa pancréas là. Quand nous peut dire où supporte l'activité de pancréas là, on peut besoin mettre l'emphase sur un aliment qui nous appelle man sucre lent. Mais dire quand on mange ça man produit là, la vitesse qu'il peut être absorbé, il est beaucoup plus doucement et là il peut passer quelque chose pour le pancréas. Comme exemple, on peut gagner tout un produit qui est riche en fibres. Alors tous les fruits, tous les légumes, tout un céréales complet, incluant un grains secs et aussi un noix. Et on essaye évite aux consommations de man sucre rapide tel que man produit sucré, man petit biscuit, même que c'est salé et tout un boisson sucrée. En cette période festive, alors pas de panique, ou capable de profiter même qu'il y a un diabétique, mais on peut besoin juste être plus conscient. Alors, trois astuces pour faciliter les tâches, pour gérer cette alimentation et ce diabète pendant sa période festive. Là, numéro 1, faites des sautes qui se boivent suffisamment de l'eau, minimum 1,5 litre d'eau par jour. Deuxième, faites des sautes qui au démarre la journée avec un repas qui est riche en protéines, parce que ça, il vous facilite comme si l'absorption de glucose et vous protège le pancréas. Troisième, ben, pas de régime strict, pas de restrictions alimentaires parce que c'est une période de fête, profitez-en avec la famille. Alors, si vous prenez un repas copieux, dessert ou capable de manger, mais c'est toute une question de qualité, quantité et la fréquence de consommation. Bien sûr, quand on peut consommer un produit plus copieux, plus riche, nous prenons une tendance à un petit peu ballonner, nous capables aussi souffrir un petit peu de la constipation, mais il n'y a pas de problème. Faites des sortes que vous capables de prendre un du thé, un petit la tisane ou même une infusion de haut choix après au bon repas. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, contrôlez votre taux de glucose, stay safe and stay healthy. Bye!